I'm going to go to the hospital.
Murakoze cyane mu message irakomeye rwose ahiriwe ariko bariyumva. I wish to request with the Kenyan ambassador, maybe our minister would like to recognize me. Is he here, our minister? The Kenyan ambassador, His Excellency the ambassador. Je voudrais demander si son excellence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo est au milieu de nous. Nous voulons reconnaître votre présence. Karibu, bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue. Et je voudrais vous informer qu'aujourd'hui, la prédication émane de la République démocratique du Congo. C'est juste à la minute que j'invite sur sa place à trouver et je vous donne des messages. Donc, il va passer à vous aller transmettre son message à la fin. Prions le Seigneur. Éternel amour de Dieu, nous te disons merci pour cette circonstance qui est faite à ce que nous puissions nous réunir dans cette salle qui a été consacrée pour nous. Merci pour l'opportunité de m'adresser à votre assemblée. Merci pour le sens de petit dans lequel vous êtes venu. Demandons l'assistance du Saint-Esprit au moment où nous allons interpréter. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bravo. Je remercie beaucoup pour cette place à Martin pour m'avoir invité à participer aussi à prêcher beaucoup de cette cérémonie très importante pour les mises en place de l'autre. Je remercie aussi Dieu qui a fait à ce que nous puissions apprécier de notre cause. Vous avez suivi la première lecture de l'évangile de ce jour. Mon fils, mon message sera autour de cet texte biblique. Le thème, je vais parler d'un bon berger dans une société en pleine mutation. Donc, le rôle d'un bon berger dans une situation où la société est en pleine mutation. Notre société est caractérisée par beaucoup d'événements. Notre société est caractérisée par beaucoup d'événements.
Si c'est pas au Burundi, au Congo, partout en Afrique, ça peut être la même chose. Nous sommes dans une société où la majorité d'abord de la population est construite par la jeunesse. Notre société aussi est caractérisée par la recherche aussi de la vérité. Les gens cherchent la vérité. Mais nous sommes aussi dans une société où les gens cherchent l'unité. Les gens veulent là où il y a l'unité. Mais nous sommes dans une société où l'individualisme a beaucoup d'impacts dans nos vies. Ceci s'explique le marché électronique aujourd'hui. Et puis, les sources de cet individualisme, où on nous présente maintenant des téléphones qu'on appelle iPhone, iPad, iPhone, iPhone. C'est-à-dire, tout le monde autour de l'individu. Il y a des familles présentes au Congo. Quelqu'un m'a invité un ami. Nous étions en train de répondre, mais les enfants, en mangeant, ils chattaient aussi avec le téléphone. Muri démocratie à Congo, on a bien oublié, de regarder son téléphone, il dit, il ne voit pas de voir où est-ce qu'il va. Et on sait comment il est comme ça. Kinshasa, Binahou, Binashika, Binakenda, Binabara, 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 aussi, notre société est caractérisée par la recherche de richesses. C'est ce qu'aujourd'hui, on parle de l'évangile de prospérité. Donc c'est le matérialisme domine aussi notre société. Les gens veulent là où ils peuvent trouver une cause d'être riche ou d'avoir des richesses facilement. C'est ce qui explique aujourd'hui, par exemple, à l'est de notre pays au Congo, il y a des jeunes gens qui se livrent dans les groupes armés, puisqu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'opportunité pour avoir de l'argent. Alors, en s'enrôlant là-bas, ils vont peut-être avoir de l'argent avec le mouvement de groupes armés. Alors, dans une société pareille, on a besoin d'un bon berger. Avant de venir, j'ai lu un livre de Patrick Johnson qui donne les statistiques des chrétiens partout au monde. Il verrait comme ça dans son livre de Johnson qui vous a mitigé qu'il y a Christ n'est. Et je me suis précipité pour voir le Burundi. N'a pas été vu ou t'as pas la statistique à la Burundi à ses voix. L'auteur explique un peu le Burundi. Et quand il parle de christianisme, le Burundi a à peu près 95% de la population qui se réclame chrétienne. C'est-à-dire, quand vous allez dans la rue ici, chaque 100 personnes, vous allez trouver
on enseigne qui se réclame chrétien. Mais si vous voyez pourquoi ils ont envoyé avant de nous donner la carte, la barrière est encore la Christ. C'est une grande bénédiction pour ce pays. Nous réservons le pays. Même la République du Congo aussi, c'est la même situation. Nous voulons une démocratie à Congo, plutôt qu'il y ait. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans la pratique? Ces chrétiens n'influencent pas notre société pour la transformer, pour imprégner les valeurs chrétiennes, puisque beaucoup de ces chrétiens, peut-être, sont des chrétiens des noms. Et qui nous Christ, nous parlons bien ici, il a société de c'est pourquoi nous avons besoin des leaders, des bergers qui vont exploiter les nombres-là des chrétiens pour que ces chrétiens-là influencent la société. Et tu peux te prier pour que les gens aient été élevés, parce que si tu as la coupe, 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 tu comme dans notre premier étude d'Esaïe, où Esaïe sait prononcer vraiment, je suis prêt à te servir. Voici, je suis là encore. Comme tu as vu ce que Esaïe, la fonction du berger est une fonction de vocation. Il faut être appelé pour exercer ce ministère. Ou bien exercer ce rôle-là de Dieu, il faut d'abord être convaincu qu'on est appelé par Dieu. Pourquoi dans l'évangile aujourd'hui, le premier verset où l'auteur confirme qu'un bon berger ne passe pas par la fenêtre ou bien par la porte, mais il passe par la porte. Le bon berger passe par la porte et Jésus a déclaré que c'est lui qui est la porte. Et l'évangile nous dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte, par la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Muri Yohana igice cy'icumi umurongo wa mbere ukuri n'ukuri yababwire udaca mu irembo ry'urugo rw'ihaha ariko akuririra ahandi uwo aba ari gusuma n'umwambuzi. Donc un bon berger c'est celui-là qui a reçu personnellement Jésus-Christ dans sa vie et met sa confiance totale en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il va commencer à exercer ce ministère puisqu'il a été appelé à le faire. Et ici, Jésus donne l'image d'un berger. Ah, Jésus attend l'image d'un berger qui chapeaute mon gué. Donc le premier rôle du berger d'abord c'est de guider. Être un leader, celui qui montre le chemin, celui aussi qui montre l'exemple, et celui à qui le brebis aussi écoute sa voix et le suit. Je crois que nous tous sommes ici, il y a des évêques de pasteur. Et même les gens qui travaillent dans l'administration publique, ils sont tous des bergers. Et ces bergers-là sont des leaders qui montrent la foi pour que les gens puissent suivre. Ah, tout le monde, puisque nous avons des responsabilités autour de nous, donc, nous sommes des leaders responsables. Deuxième fonction d'un bon leader. Un bon berger aussi s'occupe de ses brebis, de son troupeau, de faire nourrir les bêtes.
icyakabiri kiranga umwungere nuko yahawe ibanga ryo kuragira cyangwa ryo kuragira intama ziwe mu muryango abana mashekuru ati bafungura neza baba bafise bababwira kamere mbere kujya kurondera igifunguro ahandi hantu Même dans la vie, les éleveurs savent que leur grand rôle, c'est perdre les troupeaux. Nous avons nous avons dit que de faire perdre le troupeau qu'il a confié à chacun de nous. Vous êtes en train de dire que Ézéchiel, il a dit que c'est-à-dire les visiter de temps en temps, à ce moment-là, il saura les besoins et il va faire tout pour les protéger. C'est son rôle aussi de faire tout pour que les bergers soient toujours dans les troupeaux afin qu'ils vivent ensemble. Ça, c'est le rôle le plus important aussi dans le ministère pastoral. Moi, je pense que vous vous dites. Vous êtes bien placé pour savoir le rôle d'un berger, puisque vous avez beaucoup de vaches et de moutons. Et si nous appliquons tout ce que le berger fait de son troupeau dans la congrégation, nous aurons des congrégations très développées. Souvent, quand nous sommes élus ou nous donnons cette promotion, nos familles aussi font la fête.
pour la fête. Après un mois de mon épiscopat, il y a ma grande sœur qui m'avait visité. Nous a trouvé en train de manger les manioc avec les sommets. Moi j'ai beaucoup de manioc chez moi, j'ai peur d'amener ça chez vous, puisque je pense que vous n'avez jamais vu le manioc qui est en ce moment. Tu vois, tu fais une bonne image, tu sors des la fonction est faite pour acheter, pour le manque de famille, ils espèrent, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'espoir. Rappeler aux évêques et à la chevêque qui est ici que nous avons un ministère très compliqué et très important dans la société. Nous avons un ministère très compliqué et très important dans la société. Dans l'église africaine, un évêque qui est élu par ses collègues évêques déjà chevêques. C'est ce qui est arrivé à notre frère, à Monseigneur Sixpent. C'est l'origine de mon arc qui précède l'évêque. C'est un serviteur parmi les autres serviteurs. L'archevêque m'a précédé au Congo, il a eu un problème avec un évêque et il a suspendu l'évêque. Au moment où il a suivi le blocage de la démocratie au Congo, il a dit à l'équipe de l'épiscopé, il a résisté puisqu'il n'a pas dit ce n'est pas de son pouvoir de suspendre le fait sans passer par les collègues. Et vous avez un mal à l'époque, par exemple, c'est comme un coup de la fonction de l'archevêque s'exerce avec les évêques. Et cela qui a même limité même les évêques. Il y a le mot même évêque. La première lettre la paix avec accent. Notre grand ministre, c'est l'évangélisation. Un évêque, c'est celui qui s'assure que dans son diocèse, C'est cette mission que Jésus nous a laissée d'amener les gens d'abord à Christ,
et les enseigner pour qu'ils soient des disciples. Ça, c'est le maître qui est le promoteur des activités dans son diocèse. Et tu l'as dit, Un monsieur avait éduqué son chien pour amener les courriers d'un village à un autre. Et pour communiquer avec le village voisin, le monsieur a confié la lettre au chien et le chien n'a pas de bras. Le chien prenait ça par la bouche. Il devrait manger. Il a tiré les doigts. En ouvrant sa bouche, la lettre était un peu dispersée. Et il y avait le vent. Le vent qui a mis la lettre très loin. Et le chien n'a plus à voir ce que le chien a continué. Et le monsieur n'a pas fait le message. Il y a même un message. Il y a un message. Et il a dit, c'est le matin qui s'est passé. On lui a dit, il y a un message. Alors là, on m'a dit, le chien a fait des doutes. Il y a un message. Il y a un message. Et là, on m'a dit, le chien avait trouvé des sons. Et il s'occupait des sons qui étaient ces messages-là. Il y a un message. Il y a un message. Cette histoire-là, me rappelle beaucoup les services aujourd'hui. Les gens ont oublié l'évangélisation. Ils s'occupent de manger. Et qui va la déchirer au fond. Vous avez trouvé une église avec 3000 personnes. Le pasteur est là pour que la Kinshasa se situe dans l'église. Où il y a des prières avec des prix. Et qui est juste à l'intérieur de la chambre, 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 à l'intérieur de la il y a déjà tout le monde de l'argent. Pour demander la bénédiction de ce pasteur. Est-ce que c'est le pasteur qui bénit les gens? Non, il n'y a pas de pasteur. C'est l'ignorance de Dieu qui nous bénit tous. Donc les gens ont oublié l'évangélisation et ils se donnent à des activités qui remplissent mal les ventes. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous Un évêque doit avoir une vision de sa province, de son diocèse. Après 5 ans, après 10 ans, qu'est-ce que vous voulez voir? Un évêque de Mokoro, à tête de quoi fait-il pour nous? Et puis, il y a qui dit, il y a qui t'a 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 dit, il y a qui
Il est dit sans vision, c'est une prise de conflit. Il s'est dit, le fils est un bonheur, il s'est dit, il y a un bonheur. Alors, le thème qui suit dans les mots évêques, il y a un, avec accent circonflexe. Il dit déjà, il dit qu'il a un bonheur, il dit qu'il a un bonheur, il dit qu'il a un bonheur. Le fait est un être humain. Un épiscope beaucoup, nous. Un être humain qui est Dieu a appelé, il a fait sortir de la société pour une mission spéciale, mais il reste toujours